C'est depuis 2011 qu'a commencé la construction de la minoterie African Milling. Les employés de African Milling se sont mobilisés jour pour jour jusqu'à la production effective de la farine de maïs breakfast de première qualité en février 2015. African Milling est donc fier de vous présenter son employé du mois. On ne peut progresser de façon significative qu'avec des personnes bien formées et visionnaires. Le challenge était haut, très haut, supérieur. Nous avons dû relever les défis dans une jeune société. On devait trouver le meilleur de nous. Mais je dirais aussi que ce n'est pas un résultat individuel, mais ça relève d'un travail d'équipe. Cette entreprise, c'est l'unité industrielle, la seule pour le maïs qui vaut la peine dans ce pays. Et nous allons essayer d'élever l'étendard du pays pour qu'on sache aussi que les Congolais sont capables de faire quelque chose d'intéressant en cette matière. Qu'est-ce qui fait ta fierté d'appartenir au groupe African Milling? Ma fierté d'appartenir au groupe African Milling, c'est d'être pionnier, d'être là parmi les premiers, d'essayer de donner le meilleur de moi-même. African Milling, redonner de la vitalité à des millions en République démocratique du Congo.